Donc là, on est sur une... On pêche des pointes où, en règle générale, les poissons vont se tenir en fait autour des pointes. On a une alternance, on va dire, de zones de plage avec des zones de roche et une zone un peu plate avec une partie peu profonde et une zone plus profonde. Donc, comme on ne connaît pas l'activité sur le lac, on vient d'y arriver. L'idée, c'est justement d'avoir ces zones de transition et de les chercher autour de ces zones de transition, à la fois peu profond ou plus profond, et d'essayer de trouver les indications. Donc là, on pêche, j'alterne entre tête jig avec un shad classique et une approche un peu plus fine avec le drop shot, ce qui me permet de vraiment suivre le fond et de voir si on a du poisson posté sur ces enrochements. Donc là, pour l'instant, moi, j'ai fait du drop shot. Il y a eu deux touches, un basse, un cendre. Donc on ne sait pas trop encore vers quoi on s'oriente. Moi, j'ai plus une approche basse. J'utilise un worm de 5 pouces sur une chéquillette. C'est une tête plombée qui protège quand même l'hameçon texan. Et du coup, je fais un peu comme Fred, hein, sur le pourtour de la pointe, les cailloux. Et j'essaie de balayer quand même une frange assez large de profondeur. Comme c'est le tout début de la pêche, je jette dans pas trop d'eau près du bord, dans 2-3 mètres. Et je me force à pêcher jusqu'à 7, 8, 9 mètres. Et ça va permettre déjà d'isoler une profondeur. Et puis une espèce qui va répondre. L'avantage du worm, c'est que ça intéresse aussi bien les cendres que les basses. Alors même si un shad serait plus efficace pour le cendre, il le serait certainement beaucoup moins sur le basse. Ouais. Donc pour le coup, cette approche worm, elle va permettre d'enregistrer les premières touches et d'avoir un petit cheminement pour essayer de savoir ce qu'on va faire par la suite. Ouais, c'est vexant quand tu les vois. C'est que tu les pêches mal, hein? Ouais, c'est clair. Ouais, hein. Fiche. Ah, bien. Ah, 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 ah. Eh oui. Un petit basse. Bien. Yes. Finesse filet. Yeah. Hop. Cool. C'est appelé désiré celui-là. Petit basse net. Avec le drop. Allez. Merci. Alors en fait, je pêche à... Ah. Je peux pas faire une explication tranquille. Non, c'est impossible. Il faut que... Ouais. Exactement. Faut que tu fasses merde. Intéressant. Il a la vedette, c'est pas normal. Bon. Hein. Alors, c'est pas un Ned Rig. C'est juste que j'ai perdu la moitié de mon verre. Avec un petit basse. Bon, c'est bon, je peux faire mon explication. Allez, vas-y. Merci. Donc, en fait, j'utilise un... Sur le drop, là... Encore une fois, on ne connaît pas la zone, donc on va avoir peut-être du bois. Bon, là, il a fait tellement chaud cette année qu'on n'a pas de, on n'a pas d'herbier. Il y a de la roche, donc on va potentiellement aller vraiment dans les structures. Donc j'aime bien utiliser un texan. En plus, ça me recule mon point d'accroche en fait quand on pêche. Et surtout, c'est très versatile. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais mettre mon finesse filet, donc je le pique sur le nez, je viens de monter comme un texan classique en fait, et là en fait je vais juste le piquer dans la peau du filet, voilà. Et en fait je vais avoir l'hameçon exposé. Et là sur des finesses filets un peu plus gros, je vais pouvoir l'utiliser en carrément en hameçon exposé, donc là pour pêcher des zones où j'aurai pas de problème. Et là je vais le mettre en fait juste sur l'opercule. Voilà, et en fait ça va présenter super bien mon leurre. Donc là j'ai quelque chose d'exposé, si jamais j'ai des touches plus fines, je vais le monter de cette manière là. Et le finesse filet a l'avantage en fait de présenter mon leurre tout le temps à plat, tout le temps bien, et il ne va pas tourner. Alors qu'en fait si je piquais un verre par exemple ou une autre forme, il aurait tendance à aller tourner. Là il est vraiment équilibré, donc j'aime bien ce montage et finalement ça marche pas mal. Une des particularités ici, il faut être attentif au brochet qui roule. En fait, on fait une digue qui roule, mais c'est un peu une image. Ils viennent prendre de l'air en surface. Et en fait, quand ils viennent prendre de l'air, ils sont aussi actifs, ils ne chassent pas. Mais si on lance un leurre
là où ils viennent de prendre l'air, au moment où ils viennent de prendre, juste dans le moment. Souvent, on a la touche pas longtemps après. Donc il faut toujours avoir une canne à brocher prêt ici. Alors, c'est un peu particulier, je crois que j'ai jamais vu ça ailleurs, je sais pas toi. Mais... Alors ça peut le faire, moi je l'ai vu une fois ou deux dans les lacs alpins, où j'ai attrapé les poissons derrière, mais ils roulent beaucoup moins qu'ici. Et ici c'est vraiment un truc, et je l'ai vu, c'est pas forcément un truc d'été. C'est, tu vois, ça le fait, ils le font en toute saison. Toute saison. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un brochet qui roulait? Yes, yes. Ah, j'ai pas vu. Ah ben non, c'est plus. Mais non, c'est un cendre. Ah, j'y roule, crois alors. Pas. Action, réaction. Mais c'était pas lui qui a roulé, hein, ça c'est sûr. Ouais, alors, pour l'explication, hein. Mais bon, ça marche. Soyez attentifs aux détails. Joli petit cendre. Belle touche, bien agressive. C'est incroyable. Il y a 10 mètres d'eau là-bas. Ah oui, oui, bien sûr. 10 mètres d'eau, il était 1 mètre sous la surface. Ah, mais t'étais sous la surface? Oui, je lançais, okay. Je ramenais. Ok, je savais pas. J'étais sous la surface. Dingue. Bien. Voilà. Ah. Posez-lui. Yes. Bon, le verre, hein. Le verre, bien quand même. Sur des verres, ouais. Allez, on va les laisser tranquille, on va avancer. En Carolina, je pense qu'il mordrait ces poissons-là. Là. Peut-être. Parce qu'ils sont quand même chiants, tu vois, faut... Ou un Ned, peut-être qu'il faut mettre un petit Ned, tu vois. J'en ai. J'ai les tubes, là. Ah oui, ça peut être bien, ça. On en vend plein de ça, hein. Je vais mettre les mini tubes. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Ah, j'y croyais pas trop. Oh. Tiens, je vais le mettre à droite. Vas-y. Pour le coup. Oh, ça doit être un cendre. Oh oui. Non, c'est un broc. Un broc. C'est un petit broc. Grand chelem. Hey. T'as coupé. Petit brocheton, on n'embête pas. Où est-ce que j'ai des têtes nades un peu lourdes? Ben non. J'ai jusqu'à 10 grammes si tu veux. Hein? J'ai jusqu'à 10 grammes. Non mais c'est bon là, j'ai. Oh, je le rate, dommage. Oh, ça c'était beau. Putain, le mec te laisse même pas changer de l'heure, rien. Hein. Ouais, change de l'heure. Ouais. Oh, il est là, bâtard. Je l'ai intercepté entre deux eaux, je l'ai vu au télescope en fait. ça doit être un joli cendre. Ouais. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est énorme. C'était un gros broc. Merde. Ah, je l'ai vu au télescope, un truc comme ça. Hein? Je l'ai vu, j'ai remonté le verre. Ah ouais, c'était gros. Il m'a coupé. Ouais, c'est toujours ce qu'on dit comme ça. Ça, c'était drôle. Hein? C'est un petit bass. Ouais. Et tu vois, j'ai une petite queue, t'as une grande queue. Et il préfère quand même la grande queue. Je suis pas vraiment surpris. Pendant moi j'avais les mobiles, mais bon. Non. Il est parti, putain, il bouge. C'est parti. Yes. Ah bien. Ah bah il est parti vers toi alors. Yes. Un cendre encore. Yes. Ah ouais. Oh puis alors, gaufré. Ah lui il l'a mangé, hein. Gaufré. Je t'avais dit que t'allais prendre un cendre, faut pas faire du chad, hein. Gaufré, regarde le cendre. Allez. Viens voir papa, viens, viens. Hop. Yes. Regarde-moi ça.
Yes. Couleur, changement de couleur, shad. Ils sont magnifiques. Ils sont beaux les cendres aussi. Hein. Ah. Ils sont quand même malins. Hein. J'ai pêché au Senko sans plomb dans 5 mètres d'eau. Je vois mon Senko descendre tout doucement, je vois des basses qui montent. Et au dernier moment, ils refusent, ouais. Ils connaissent la musique, grave. Ils ont bac plus 5. Ah ouais, ouais, c'est pas la première fois qu'ils en voient, hein, ça, c'est sûr. Alors j'ai un de jolies basses pour suivre au shad. Donc je vais faire différemment. Je vais mettre un finesse. Qui a une action beaucoup plus erratique pour le coup. Et ça peut suffire à déclencher des touches. Le simple fait que ça aille pas droit, parfois ça les suffit à les faire mordre. Et là en l'occurrence, je les ai vus suivre le shad et les variations de vitesse n'ont rien donné. J'ai accéléré et tout, accéléré, ralenti. On a des poissons qui suivent d'un peu loin. Je me dis qu'une action erratique, ça va peut-être produire quelque chose. Donc j'ai mis un petit slick finesse en 11 cm. Alors le slick, je vais l'envoyer. Les poissons, ils sont au sondeur, on les voit genre 1 mètre au-dessus du fond, dans 4, 5, 6, 7 mètres. Donc je vais le laisser toucher le fond une première fois et puis je vais l'animer assez sèchement. Plus on l'anime sèchement en fait, plus il fait des écarts. Donc je vais l'animer assez sec, genre 2 mètres au-dessus du fond, pour inciter les poissons à se déplacer d'un peu loin. Ça évite qu'ils refusent trop. Voilà, c'est juste des coups de canne secs comme ça. Je le laisse retomber un peu. En fait, la difficulté, ça va être d'essayer de garder la profondeur sans pour autant le reposer au fond. De changer de zone, le vent est monté, donc on va passer en power fishing, donc en fait une pêche plus active. On va battre du terrain et on a choisi bien sûr la berge sur laquelle le vent vient rabattre le courant, et potentiellement c'est là où on attend l'activité. Donc on va pêcher vraiment très proche de la berge. Le tombant, il y a quelques herbiers résiduels là, qui sont sur la berge, et vraiment voir si les poissons sont collés à la berge ou quelques mètres décalés. Hop. Tiens. Là, chouette, on est bon. Alors du coup, Fred a mis un poisson nageur avec une longue bavette, un genre de jerkbait minnow qui plonge un petit peu plus, c'est un Dédé Squirrel. Et moi j'ai mis un chatter, donc comme ça, lui va descendre plus facilement, plus creux, plus vite. Donc il va pêcher jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50 on va dire. Moi je vais rester un peu plus haut dans la couche d'eau et surtout je vais aller plus vite à la récupération. Donc c'est aussi deux approches assez complémentaires. Ce serait ridicule de faire tous les deux du chatter ou tous les deux du leurre dur. Ouais, surtout tant qu'on n'a pas trouvé la pêche. C'est ça. On attend une première touche pour essayer d'affiner un petit peu après. Donc les berges battues au vent, on les privilégie pour ces pêches rapides. Parce que c'est souvent des berges qui sont un peu troublées ou les poissons ont tendance à monter chasser. Alors elles sont pas toujours bonnes, mais là l'eau est chaude, le vent est chaud, donc ça brasse, ça bouge, il y a probablement plus d'activité que sur la berge calme. Alors par exemple l'hiver, quand il y a un vent du nord, que l'eau est à 6 degrés, bah, je vais plutôt faire l'inverse pour aller chercher une zone au soleil calme qui va se réchauffer un peu plus vite. Donc on va privilégier vraiment le côté venté pour voir. On fait peut-être un kilomètre de berge comme ça, et on va voir si quelque chose arrive. Donc sur ces berges ventées, on pêche vite, et la surface est brassée, troublée. On va utiliser soit des leurres métalliques qui se ramènent vite, un chatterbait, un spinnerbait, mais on peut aussi utiliser des leurres dures, un jerkbait minnow par exemple, comme Fred utilise. Mais c'est dans la plupart des cas des leurres pour prospecter rapidement. Donc des leurres qui se mettent en action de nage tout de suite et qu'on peut ramener assez vite. Moi j'aime beaucoup pêcher chatter ou spinner dans ces conditions de vent assez fort sur la berge. Ok, s'il te plaît. Ah ouais, c'est un beau. Cool. Bam. Yes. Bien joué.
pas mal. Ouais, ouais, c'est bien là, c'est joli. Attends, c'est bien, ça fait un faciès complètement différent. Ah, j'aurais presque fait une top water. Ouais, ouais, j'y pense depuis tout à l'heure, ça me chatouille. Ça me chatouille. Là, regarde bien. Hop là. Oh, oh. C'est déjà prêt. Ça, avec les vagues et tout, ouais. Je pense que ça peut être pas mal. C'est lequel celui-là ? 110. Alors bah là du coup on est quand même dans de l'eau chaude avec un vent chaud, etc. Avec une surface un peu formée. Du coup j'ai mis un leurre de surface hyper bruyant là, un whopper plopper, histoire de brasser beaucoup d'eau. Ça appelle des poissons de loin, ça reste un grand classique au bass. Hein. Donc même si la surface ça se passe sur ce lac plutôt le matin tôt ou quoi, là les conditions moi me semblent plutôt favorables. Donc je vais essayer 10 minutes en surface. Ben voilà, on a eu la confirmation au bout de 4 ou 5 lancers, ouais. Avec une belle explosion en surface, ça prouve que ben, le topwater dans ces conditions-là de vent, c'est juste magique. Bon, ben, sous ce temps de power fishing, en traversant, on a vu pas mal d'échos. Donc on a décidé de s'ancrer au milieu de cette petite baie où il y a 2-3 mètres de fond et de pêcher en linéaire. Donc petit chat, 10 grammes, voilà, toi tu es en casting aussi, oui voilà, ah, je crois que tu étais en spinning. Ah, ouais. Et ben, ma foi, on prend un petit peu de tout, des cendres, des brochets, des basses, tout mélangé à plat sur cet endroit là. Il y a des vieux murets, il y a des herbiers et en pêchant en linéaire comme ça, on arrive à prendre pas mal de poissons. Ouais, on lance vraiment dans le sens du vent, on n'a pas vraiment le choix. Si on veut bien pêcher, il y aura trop de vent, ça va nous prendre la bannière. Et on est vraiment obligé de pêcher tout le temps dans le sens du vent, donc on tient le bateau au-dessus des postes qu'on veut pêcher. Et on pêche en linéaire. Ouais, il y a plus d'eau là, hein. Il y a peut-être 3,50 m sans problème. Où j'ai jeté. Oh là 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 là, quelle touche de ouf! Oh la touche! Pop pop pop! Oh, il m'a sanctionné! Ça va être un jeu ensemble. Ah, tu as mis un ferrage de maçon aussi. Frappé. Tu as mis un ferrage oui, de maçon. Oui, bah en fait, il faut résorber un petit peu du mou. Ouais, ouais. Eh, joli poisson encore. Des poissons en pleine forme. Ah, ça va pas du tout. Pas de touche, c'est pas normal. Hein. Bon, je peux pas croire qu'on ait rincé ce spot. Hein. C'est passé un truc. Oh, yes. Je l'ai vu dans ta canne. J'ai vu la touche dans la canne, génial. Yes. Voilà, on les cherche un peu, on les trouve. Et bien coffré celui-là aussi. Là, je viens de changer de couleur, je sais pas si c'est ça. Un chouille plus petit. Là, en fait, je viens de changer de coloris. J'ai mis une coloris qui est UV React, c'est la Motor Oil sur l'oblique Chad. Et un petit cendre. Allez, on le remet à l'eau. Yes, il va repartir. Yep. Bon Fred, une super journée. Ouais, vraiment chouette. On démarre sans vent, au soleil, des pêches un peu profondes.
Ouais, on a cherché le bass plutôt au départ. Voilà, ce que j'allais dire, c'est que ça nous a permis de cibler au départ des espèces qui étaient vraiment identifiées sur des zones particulières. Ouais, cette pêche un peu précise finalement, ouais. Drop shot, shaky head, ouais. Des pointes, des éboulis, des choses comme ça. Et puis ensuite le vent s'est levé et là ça a été une autre histoire. Ouais, là on est parti sur du power. Donc un petit coup chatter, de spinner, chatter, un peu de crank, jusqu'à temps qu'on switch au leurre de surface. Et après, ouais, le coup de leurre de surface, ça a été vraiment la bascule où le vent a commencé vraiment à prendre. Ouais, on a eu un super créneau. Et il y avait encore le soleil. Mm-hmm. Et ensuite, ça s'est complètement couvert. Ouais. Et au hasard, en passant dans une baie, j'ai vu pas mal d'échos au fond, on s'est arrêté et on a fait une super pêche linéaire, ouais. En capturant les trois espèces. Et là, je pense que la baisse de luminosité, le vent... Tu peux dire lumière si tu n'arrives pas à dire luminosité. Ouais, ouais, d'accord, merci. Bon, on ne va pas être fâché. Baisse de lumière, ouais. Le vent, c'est ce que tu voulais dire. Voilà. On s'est arrêté, on s'est ancré au milieu de la baie, on a fait du linéaire. Et là, pour le coup, tous les poissons étaient présents. Et pour le coup, il y avait les trois espèces, ouais. Dans pas beaucoup d'eau, dans 2-3 mètres. Pareil, des bordures d'herbier, des éboulis, il y avait des brochets, il y avait des basses, il y avait des cendres. Ouais. C'était absolument génial. Et là, tu as utilisé donc, le bleak. Bleak shad, le même grammage, tous les deux, on avait du 10 grammes là, ouais. Pour le coup, pour bien sentir quand même. Il faut compenser un peu le vent. Donc on a eu une journée multi-espèces, multi-technique aussi. Ouais. Et en voyageant du bas au haut du lac, on a vu aussi une multitude de faciès. Ouais, ouais. Donc c'était canon. On te remercie pour ta participation. Ben, merci c'est à vous. C'était vachement de plus sympa que les deux qu'on a fait jusqu'à présent. Ouais, voilà. D'accord. Ouais. Il y a eu Rémi et Gaël. Ça fait du bien d'avoir un mec au niveau. Bon, voilà. Merci. Donc bah, écoute, on a mis la barre assez haut pour le prochain. Ouais. On va voir qui on invite. Arnaud Rizzi, je sais pas, on réfléchit encore, on va voir. Bon, ben, bonne chance. Allez, au prochain. Bientôt. Ciao.